C'est une formation plutôt à l'initiation à Ubuntu et le logiciel libre. Comment on peut faire ce passage de Windows à Ubuntu si on ne connaît vraiment pas de Linux? Alors justement, je vais commencer par expliquer l'histoire des ordinateurs, comment ça a été fait, c'est quoi les systèmes d'exploitation. Linux, pourquoi choisir Ubuntu? Linux en gros, Ubuntu pour ceux qui ne savent pas, c'est une version, une distribution de Linux. Et après on va voir Ubuntu s'adresse à qui peut utiliser, qui utilise et pourquoi. On va faire une petite procédure d'installation. Je vais installer un Ubuntu sur une machine virtuelle. Pour vous montrer comment on installe, il y a des étapes à suivre. Et je vous montre aussi l'interface de Ubuntu. La première fois qu'on voit comment ça fonctionne, où sont les logiciels, comment ça fonctionne. Je vais faire une petite démonstration des logiciels libres, les logiciels qui sont alternatifs, des logiciels qui sont payants sous Windows ou Macintosh. Alors, voilà une histoire de jeu de l'ordinateur. D'abord, les systèmes de d'exploitation, il y a trois types de systèmes d'exploitation aujourd'hui. Il y a Linux, il y a Windows et Macintosh. Donc, certains d'entre vous utilisent ces trois-là. Je vais commencer par Linux. Une petite histoire. Ce monsieur-là, je ne sais pas si on voit bien, il s'appelle Linus Torvald, c'est un finlandais sur le pop qui vit actuellement aux États-Unis. Il a inventé le noyau de Linux. Le noyau, c'est vraiment là où ça se passe pour faire marcher la machine, l'ordinateur. Il a découvert pour la première fois l'informatique à l'âge de 11 ans avec l'ordinateur de son grand-père en 91. C'était ça. Je sais pas si c'est en bas. Et ça s'appelle une Commodore VIC-20. Les distributions de Linux. En gros, Linux, il y a trois distributions de base. Vous voyez, il y a un schéma que j'ai téléchargé de Wikipédia, tout le monde peut trouver. Il y a Debian. Debian, on voit. Debian. Slackware Linux, c'est ça, c'est plutôt utilisé par les entreprises, plutôt commerciales. Et Red Hat, il y a trois types différents. Alors chacun de ces distributions, il y a beaucoup de développeurs de Linux qui ont créé d'autres systèmes d'exploitation à partir de ces systèmes-là. Comme c'est des systèmes gratuits, open source, donc tout le monde peut l'utiliser. Ben, tout le monde se met à faire des distributions à leur manière. Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est plus adapté à leurs travaux. Chacun peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut le développer. Ça. Tout le monde peut le développer. Nous, on va se... Il y a Ubuntu, il est basé de Debian. Le système de fichiers, c'est Debian.
il est un peu plus haut, là. Même à partir de l'Ubuntu, il y a eu plusieurs distributions aussi. Chacun fait ce qu'il veut avec, ils ont le droit. Bon, on va commencer à Ubuntu. Ubuntu, ça s'adresse à qui ? En particulier, au lieu public, comme la sécurité sociale, comme ANPE. Il y a des lieux publics qui utilisent que Linux. Je veux dire pourquoi. Les professionnels, les associations, en gros, donc tout le monde. Tout le monde, ouais. Et puis, qui d'autre utilise Linux ? On se rend compte qu'on ne sait pas, il y a rien qui savent. Free utilise Linux, même dans les boîtes internet. Vous avez chez vous, vous utilisez forcément Linux, vous ne savez pas. Les boîtes internet comme Lightbox, Nuffbox ou d'autres, leur système c'est Linux. C'est avec Linux que ça peut marcher, c'est avec Linux qu'il y a une interface. Par un navigateur web, on a accès à l'interface de la boîte, on peut gérer tout ce qu'on veut dessus. Il y a Google, il y a IBM, il y a Panasonic pour ces téléphones qui utilisent ce système-là. Amazon.com, Peugeot, et tout ça. Vous voyez, je suppose qu'on voit tout là. Et PlayStation 3, c'est une marque qui utilise aussi Linux. Et le gouvernement, le Parlement français utilise Linux aussi. Le département de la défense des États-Unis, toute cette liste-là utilise Linux. Les lieux publics comme la sécurité sociale, ANPE, les hôpitaux, les gares, les trains. En fait, tous les écrans que vous voyez dans les gares, dans les stations, il y a des écrans. Tout ça, c'est géré par des systèmes Linux. C'est pas forcément Ubuntu ou autre distribution à la base de Linux. Alors, les alternatives de logiciels sont plus utilisées, j'ai quelques logiciels, mais il y a des milliers de logiciels encore. Pour Microsoft Office, il y a OpenOffice. Encore OpenOffice, LibreOffice, c'est pour les ordinateurs, c'est vraiment très récent. Très bien, mais pour les vieux ordinateurs, il y a encore Happy World qui est adapté pour les machines pour faire tourner le film. Dans Photoshop, on a GIMP et MyPaint. Et d'ailleurs, MyPaint, le développeur de ce logiciel, il est à Toulouse. Il est de Toulouse, c'est un français. Et pour Premiere Pro, il y a dans le live, il y a Amazon Messenger, il y a Bitgame qui est empathique, qui gère à peu près tous les messages, les messagers instantanés comme Google, comme MSN ou Yahoo, il y a plein d'autres. Et pour Internet Explorer, bien sûr qu'il y a Mozilla, aussi c'est le seul open source, même si on utilise le Windows, il y a le seul open source. Et tout. Avec le Bitgame, tu peux communiquer pour oui, avec Bitgin, c'est un client de messagerie, on appelle ça un client de la messagerie. On peut faire un compte de Google, de MSN, de Yahoo, de AOL. Là, je ne sais même pas. On peut faire plusieurs comptes en même temps. Je ne sais pas seulement ça. Même sur Facebook, messagerie instantanée de Facebook, je ne suis pas obligé de forcément offrir. Mon navigateur internet pour pouvoir cliquer en ligne. J'ai mon Bitgin ou Empathy qui est actif. Il me dit qui est en ligne, qui est pas en ligne. Je parle sur ce logiciel-là. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de monde qui me dit t'es toujours en ligne. C'est par rapport à ça. Et tous les logiciels alternatifs, les logiciels payants, on peut le trouver sur ce site internet, ozop.com. Vous pouvez les aider.
Alors, là c'est beau. Et si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, après on va passer à la procédure de l'installation et de l'interface de Ubuntu. Par exemple, tu parlais de Debian, c'est quoi, c'est des systèmes d'exploitation, c'est ça? Oui, Debian, c'est un système d'exploitation. Un système d'exploitation. Bon, qu'est-ce que c'est un système d'exploitation? On a un ordinateur, une machine en gros, et après il y a un système qui sert à gérer les matériaux qui sont là-dedans. La carte son, la carte vidéo, l'écran, les touches clavier. Il y a un système qui gère tout ça. Il y a le truc physique qu'on voit, la machine, et il y a un système qui exploite la machine. Pour ça, on appelle ça le système d'exploitation. Et Debian, c'est un système d'exploitation qui est Linux, et c'est utilisé beaucoup pour les serveurs, pour Internet. Parce qu'au niveau de sécurité, c'est le meilleur système d'exploitation. Google Facebook, tous ces sites internet qui sont utilisés dans tout partout dans le monde, ils sont gérés par Debian. Il y a d'autres questions? Bon. Et là, j'ai une machine virtuelle. Une machine virtuelle qui est dans l'ordinateur. L'ordinateur lui voit comme un ordinateur. En gros, c'est un ordinateur virtuel qui est dans l'ordinateur. J'utilise pour la démonstration de l'installation. La procédure, et après, vous montrez l'interface. Là, je vais mettre un nom. Test. Okay. Voilà, il y a mon système, je vais démarrer. Je vais mettre un CD de Ubuntu. Là, j'ai mis un CD de Ubuntu. Comme si vous avez vu. On démarre. Au démarrage, on a tout de suite, on a ça. Et la première fois quand ça s'ouvre, on a le choix de changer la langue. Parce que c'est international, il y a plusieurs langues et tout le monde peut mettre cette. Maternel qui même exprime, même ça parle par du pays, mais ça fait démarrer. Au début, on a ça. On a le choix soit essayer ou soit installer directement. Pour essayer, on n'a pas grand chose à faire, on a qu'à cliquer ici et faire tourner Ubuntu sur l'ordinateur. Sans rien toucher à l'système d'exploitation qui a été avant, que ce soit Windows ou Macintosh. Là, on va faire ça, on va peut-être installer. Ici, on peut choisir la langue. Il y a même le kurde. Français. Il y a l'Occident aussi. Et après, il y a une fenêtre qui s'affiche pour dire l'ordinateur il est connecté à Internet ou pas. S'il y a un peu d'espace libre sur votre ordinateur pour faire suivre l'installation, parce que sinon il va dire non, il n'y a pas d'espace, on ne va pas continuer. Donc, on a deux options, on peut télécharger des mises à jour pendant l'installation, ce n'est pas conseillé, ça dure une heure et demie. On peut bien le faire après l'installation, c'est pas la peine. Et après, il y a installé les logiciels de prière. C'est-à-dire quoi? Le MP3
fois, c'est, il n'est pas lié, quoi. On l'utilise, mais il y a le droit. À chaque fois qu'on utilise un fichier MP3, si on l'utilise mal, on peut bien nous porter plainte, on peut bien être jugé pour ça. Alors que il y a des fichiers qui sont libres, comme OGG, OGV, sont libres. En fait, ça sert à rien de cliquer continuer, je vais pas installer tout ça. Continuer. Là, il y a des options. Soit effacer le disque complet installé Ubuntu. Je ne sais pas si on voit bien les. On voit pas tellement. On voit pas bien. Effacer le disque et installer Ubuntu est marqué. Et tout avertissement, ceci supprimera tous les fichiers présents sur le disque. Et après, il y a autre chose, c'est plus avancé. On va faire avancer. Je vais vous montrer que l'avancé. Si vous voulez complètement supprimer le Windows et mettre Ubuntu, vous n'avez qu'à choisir le premier, effacer tout, et il va tout gérer lui-même automatiquement. Si on fait autre chose, il y a plus d'options pour s'avancer. Comme ça, on peut garder Windows. C'est bon? Si on choisit avancer ou autre chose, on peut choisir l'endroit de l'installation si on ne veut pas supprimer Windows. Là, j'ai un seul disque. Les disques sur Windows, ils sont considérés comme SDA, SDB, SDC, ça dépend combien de disques on a. Là, si je fais installer maintenant, on voit pas bien. Si je fais installer maintenant, il va faire tout sur ce studio, il va tout supprimer et formater en format EXT3 ou EXT4, c'est le format de fichier de Linux. Format de fichier de Windows, c'est NTFS. Mais d'une époque, c'était pas 32, mais il y a certains d'entre vous quand même. Et aujourd'hui, c'est NTFS. Le système de fichiers de Linux, c'est EXT4. On a le choix, on peut modifier. Si on fait ajouter pour installation de système de Linux, on a besoin d'une petite partie qui s'appelle swap, c'est la partie de échange des fichiers à l'installation, même en utilisant. On peut le choisir ici dans cette liste, swap. On va mettre vous voyez, il y a plusieurs systèmes de fichiers. Nous, ce qu'on a besoin, c'est swap. Ça, c'est avancé. Si vous choisissez supprimer tout installé, il ne va pas vous demander tout ça. Et comme je l'ai dit, on a besoin de 1 giga, ou pas plus. Swap, c'est parce qu'on va passer de l'argent. Non. C'est une partie de disque dur qui est réservée pour faire les échanges des fichiers pendant l'installation. Ça, c'est pas intéressant et ça reste à faire. Ça se utilise comme une mémoire vive aussi.
Non, on peut pas utiliser ça. Ça, ça ne s'utilise pas. Mais il faut pour la procédure de l'installation. Comment on boot l'ordinateur à partir d'une clé USB? C'est plus pratique parce qu'il faudra acheter des CD, commander, puis après, tu vas faire des CD. Ça permet de formater un CD pour acheter directement, faire l'installation à partir de clé USB. Ça, c'est la version que j'ai utilisée pour dire que j'ai compris que Windows, on peut pas. On a choisi le stock de 1 giga. Il nous reste à peu près 9 gigas de stock libre. Je vais ajouter un autre. Et là, ça va faire 2 X-T4 pour les dernières versions de Ubuntu. Dans cette case, il n'y a pas besoin de vous faire. Il suffit de mettre un slash, c'est tout. Au début, j'utilise Linux depuis 2009. Au début, quand je voulais installer Linux sur mon ordi, et pour cette flash, j'ai mis une semaine. Pour cette flash, s'il n'y a pas de flash, ça ne marche pas. On a les options, c'est plus avancé pour choisir le. L'endroit de l'installation, ou l'endroit des fichiers de serveur, si on peut faire plus avancé. Mais il ne faut que slash. Il suffit de mettre un slash. Valider. Et là, il se met automatiquement. Il coche automatiquement la case de formater. Il va le formater. S'il n'est pas coché, on n'a qu'à le cocher. Et là, on fait installer maintenant. Après, il nous demande où est-ce qu'on est. Il est allé directement à Paris parce qu'on a choisi langue française au début. Je vais continuer. Le clavier, ce côté-là, il y a français, le côté de gauche. Du côté droit, il y a plusieurs claviers en France. Clavier Austin, clavier Macintosh, clavier Breton, vous voyez. Je ne sais pas. Il n'y a pas de basse. Bon, on a que sélectionné français. J'ai double-cliqué, ça c'est pareil. Là, le nom, il va demander le nom. Je vais mettre test, mot de passe. Je vais mettre 4 à 0. Je peux d'habitude toujours ça. 4 à 0. C'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire. Et, par contre, on a des options pour ouvrir la session automatiquement. Au démarrage de l'ordinateur, il ne va pas demander le mot de passe. Il va démarrer automatiquement. Mais on a quand même l'option aussi pour chiffrer le dossier personnel. Si on coche cette case-là, ça va chiffrer les fichiers personnels qu'on va utiliser après. Il va les chiffrer, il va les compresser. On ne pourra pas les ouvrir, même avec un système Linux. On n'a jamais accès à ces fichiers-là. Alors qu'avec Windows, n'importe quelle personne de Windows, que vous avez Windows 7, XP ou autre, on peut mettre un mot de passe de 20 caractères. On a accès à ces fichiers-là. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire ouvrir la session automatiquement. On peut régler ça après aussi. Après l'installation. Je vais faire continuer. Ça prend pas longtemps. Et là, on a des diaporas qui montrent comment. Qu'est-ce que c'est au retour, qu'est-ce qu'on peut faire avec, une petite démonstration.
en attendant de l'installation, je vais vous montrer l'interface. Il dit ça, ça. Alors ça, on va voir si il va juste afficher une petite fenêtre d'installation est finie, redémarrer. On a qu'à cliquer sur redémarrer et il va redémarrer sur le nouveau système pour bien se faire. Alors, au début, on a ça. Les menus, on voit pas les menus, je vais essayer. Non, c'est pas ça. Il y a des menus, les menus ici, les logiciels, les programmes, les logiciels. Si on met la photo de dessus, sans cliquer, on a la description. Oui, mais je ne vois pas. Ouais. Donc, j'ai mis le logiciel pour du doctorat. En fait, chacun met le truc. Sur la version de Ubuntu, je n'ai pas ça sur la Ubuntu, en fait. Oui, ça c'est... Pour démarrer, on installe Ubuntu, il y a plusieurs interfaces pour mieux gérer au démarrage quand... Comment je fais pour changer, pour mettre comme ça? Pour le changer, il suffit de se déconnecter. Je vais juste changer en français parce que... J'ai mis deux systèmes, un français et un anglais. Pour ce format, moi, personnellement, j'utilise l'anglais. Une question d'habitude. Moi, j'ai une question. Qui c'est que tu cherches? Là, c'est moi. Là, maintenant, on a un français. J'ai mis les deux systèmes. Voilà, maintenant vous voyez. C'était ça que je voulais vous montrer. Ce bouton-là. Quand on appuie sur ce bouton, il y a le menu qui s'affiche. Le moment où ça demande le mot de passe de l'utilisateur, on a le choix de sélectionner l'interface qu'on veut. Il y a des interfaces, ça c'est l'interface en 3D, c'est des spéciaux qui demandent beaucoup de ressources de l'ordinateur. Si on utilise des logiciels qui ont besoin de processeurs, on n'a pas intérêt de se mettre sur l'interface qui utilise beaucoup de ressources. Nous, on peut changer de faire ça. Et après, ici, comme Windows,
Donc, en bas à droite, on a les notifications. Ici, on a en haut à droite. Ça, l'enveloppe, c'est pour les messageries, pour les emails, pour les messageries instantanées, comme les petites guides ou un petit, pour l'instant, c'est là. Pour la batterie, pour le site Bluetooth, si la batterie il est compatible. La connexion, le son, l'heure et là l'utilisateur. On voit bien, on voit bien. Le menu c'est ça que vous n'avez pas encore fait là. Là vous connaissez, vous avez l'offre Firefox. Possiblement. Le test que je vous dis, MyPay, le développeur, c'est tout ça. C'est ça. C'est le geste de dessin. C'est le test que j'utilise actuellement pour dessiner. C'est celui-là. OpenOffice, il a changé le nom. C'était OpenOffice avant. Maintenant, c'est LibreOffice. Peut-être que vous allez comprendre à l'installation. Il y a, pourquoi il n'y a pas OpenOffice? Pourquoi pas OpenOffice? Maintenant c'est LibreOffice, ça s'appelle. Ça c'est le set de montage de vidéo. On utilise à la place de Premiere Pro, de Windows ou de Final Cut Pro, de Macintosh ou autre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions pour dire même je parle, mais... pour les effets spéciaux. Par exemple, il y a des interfaces comme ça. Rien qu'avec le mouvement de la souris, tu bouges la souris ici au coin à droite, à gauche là-haut, ça te change, ça t'affiche les menus, ça t'affiche les bureaux, parce qu'avec Ubuntu, on a le choix de sélectionner les bureaux. J'ai 4 bureaux là. Ici, je mets un logiciel que j'utilise ici, et l'autre je peux utiliser là, comme ça je ne comprends pas tout. Il suffit de cliquer, double-cliquer dessus, il va se mettre sur ce bureau-là. Et en français, ça s'appelle l'espace de travail, Et après, il y a des interfaces qui n'utilisent pas beaucoup les ressources pour mieux servir de l'ordinateur. Pour les professionnels, ils n'utilisent pas cette interface-là. Ils utilisent tout simplement, il y a une interface qui s'appelle XFCE, je crois, qui n'utilise pas beaucoup de ressources de l'ordinateur. On peut installer des gros logiciels là-dessus. Et c'est le logiciel qui va prendre des ressources qui va utiliser, pas le système. Les systèmes Windows, comme Windows 7, ou plutôt Vista qui utilisait beaucoup de ressources, on n'arrivait pas à faire tourner des gros logiciels parce que Windows il bouffait tout. Windows 7, à partir de maintenant, ils ont un peu amélioré, et c'est quand même beaucoup plus qu'un système Linux. Le système même utilise 50% de ressources de l'ordinateur. La ressource que je dis, c'est le processeur qui fait travailler, qui génère des calculs. Voilà, ça a été. Après, il y avait une question pour utiliser, je ne sais pas si il est là encore là. Ben non.
Le jeu qui m'a posé la question pour le démarrer pour la clé USB. Ouais. Il dort. Pause. Tant pis, je vais cliquer. Pour démarrer une Ubuntu à partir d'une clé USB, tout d'abord il faut préparer la clé USB à l'installation. Sur Ubuntu, il y a déjà un logiciel qui fait ça, qui s'appelle Créateur du disque de démarrage. Est-ce qu'il est préinstallé ou C'est préinstallé. C'est déjà installé dans toutes les versions. On ouvre ça, c'est tout simple. Bon. Je vais garder un peu pour moi. ISO. C'est ce fichier-là qu'on grave sur le DVD ou le CD pour commencer à l'installation. On va chercher le fichier avec ça. Et après, si on a une clé USB branchée, il s'affiche ici. Là. On va tout simplement cliquer, maintenant c'est creusé parce qu'il n'y a rien. On va tout simplement cliquer créer le démarrage. Créer un disque dur, un disque de démarrage. Et donc, on attend la fin de la procédure, ça s'installe sur le disque dur, c'est bon. Et pour booter sur, à partir de la clé USB, ça dépend des ordinateurs. Les récents, on a qu'à appuyer sur échappe au démarrage, on appuie sur échappe et il te donne l'option, il te donne le choix où tu veux démarrer l'ordinateur. Il y a l'option de CD, de USB, de USB, ou le disque dur interne. On a le choix. Là, on choisit la clé USB. Là, ça commence à l'installation, comme on l'a dit tout à l'heure. Ou pour les vieux ordinateurs, on a dans le BIOS. Dans les paramètres de BIOS, c'est soit la suprime ou soit F2, ça dépend des ordinateurs. Des fois c'est F2. Après, si ça vous essayez, il y a F2, suprime ou F12. Et à partir de là, on peut rentrer dans les paramètres de BIOS. Et là, c'est plus compliqué, je ne sais pas, j'ai pas l'interface de BIOS pour vous expliquer. En gros, il y a des menus. Il y en a un qui s'appelle Pool. Là, ici, on a le choix, on a plusieurs choix. USB, ou interne, la plupart c'est en anglais. Ici, on a les termes anglais parce que l'ordinateur, le verbe est toujours en anglais, je n'ai jamais compris, c'est trop compliqué. Et là, il y a les noms des disques.
principale sur le bus. Et là, on a pas choisir sélectionner JSP et dans le menu de déroulant, on va s'afficher ici. On choisit un aigle. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur les chats. Et il dit, vous voulez bien se regarder? Et oui. Et après, l'ordinateur est prêt à démarrer à partir de la clé. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. En fait, quand tu partitionnes avec Windows, comment tu peux choisir la place que tu réserves à Windows et à Windows? À l'installation de Windows, pour l'installation de Windows, c'est si tu sais que après l'installation de Windows, tu vas installer Ubuntu, là tu es au courant, tu mets au formatage que réserve au parti. Pour installer où est-ce que tu choisis ça? Quand est-ce que tu choisis en fait la partition si tu as déjà un Windows, tu ne peux pas choisir. Ça peut se faire automatiquement. C'est déjà Windows, certains Windows, le Windows 7 plutôt, ça vient avec deux disques durs. Je vais regarder un peu. Ça vient avec deux disques durs. C et D. Et le C, c'est le système de. C'est plus d'installation de système. Les programmes, les systèmes de fichiers de Windows, tout ça, voilà. Bon, on n'a pas le droit de les supprimer, si vous supprimez le système Windows, ça ne va pas démarrer. On choisit donc le D. C'est. Tout ça, ça appartient à un seul disque dur. Il est déjà partitionné en deux. Il y a même une autre. Non, pas ça. Il y a même une autre qui s'appelle System Reserve. Même si on dit Windows en français, le nom il n'existe pas. Réservé de système. Et la taille c'est 100 MHz. Et là, sur le D, c'est la lettre de disque. Sinon, on voit ici sauvegarde. Ou les données. Ça perd beaucoup de choses. On peut installer au bout de la mesure. Ah, avant de commencer l'installation, on regarde. Je risque à certaines IP. Si on voit qu'il fait 73 gigas, je vais B parce que j'ai 6 gigabytes, 1 gigaoctet. On regarde, on retient bien la taille du disque. Et à l'installation, on a tous les disques qui existent sur l'ordinateur. On a les tailles aussi. Et vous choisissez le bon. On va faire ça. Mais avant de faire ça, il faut bien regarder les données qui sont là sur la regarder des fichiers, des musiques, des sons, des images, des trucs. Sinon, si on fait une nouvelle installation de Windows, au démarrage, au formatage, on sépare le disque en deux. 50-50. Ouais, ça peut changer. Oui, la taille. Oui, oui. Le démarrage, il a été. Je vois que le disque est à 6 gigas. Il a été créé un disque de 50 gigas. Il a fait l'installation de Windows là-dessus. Il restera 50 gigas qui n'est pas utilisé.
Là, tu peux bien mettre beaucoup. Et après, si, si par exemple, tu as une nouvelle version de Linux ou un truc comme ça, tu veux l'installer, à chaque fois, ça te propose la partition Vaut mieux faire une partie exprès pour les données. Enfin, une partition données, après une partition système Linux ou un système Windows. Une partition par système. Ouais. Le menu pour faire des menus à niveau aussi. Au retour, tous les 6 mois, il ouvre et il sort une nouvelle version. Il faut faire mise à niveau. Et pour ça, sans perdre les données, sans perdre les logiciels qu'on a déjà installés. Ici, il y a le logiciel à jour, ou mise à jour des variables. C'est dans le menu paramètres que j'ai appris par là. Le seul agent, on clique là-dessus. Si on sait bien qu'il y a une version qui est sortie, et on ne voit pas ici. Alors, c'est sûrement qu'il y a une raison. Là, ici, il y a des paramètres. Dans les paramètres, il y a rien qui s'affiche. Dans l'objet de mise à jour. Vous voyez, il y a le jeu de la mouvement. Voilà, tout en bas. Il va revenir lorsque une nouvelle version de route est disponible. Et dans le menu, pour chaque nouvelle version, pour les versions prises en charge sur le long terme, parce que Ubuntu, il est supporté par une entreprise qui s'appelle Canonical, vous avez entendu, qui est supportée commercialement. Si on utilise Ubuntu pour un but de commerce, ou comme on gagne de l'argent dessus, et qu'on veut que le système marche, qu'il n'y a pas de problème, on paye cette entreprise. Et il le fait tout. Après, c'est à eux de gérer. Eux, ils font tous les 3 ans, ils sortent une version qui est supportée. Ça s'appelle le LTS, Long Term Support. Ma chambre, bientôt, le long terme. On fait pour chaque nouvelle version. Il demande de votre passe. Il demande de votre passe. Après, le votre passe, c'est bon. S'il y avait une version, et ici, il y aurait une nouvelle version trouvée, il y a le bouton mise à niveau. La prévision, ça dure à peu près 1 heure. Ça dépend de le début de la prévision. Si ça fait la chance, c'est vraiment le site de papier apporté à Internet. Les mises à jour, c'est simple, c'est ça. S'il y a des mises à jour ici, on propose de les installer. Et on peut juste installer les mises à jour, parce que les mises à jour sécurité, c'est conseillé de le faire souvent. Vous voyez, il y a un truc que je vais vous parler. Il y a beaucoup de gens qui disent sur Linux, sur Ubuntu, il n'y a pas de virus. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs et les gens ils disent non, mais après, si je fais des virus, ça sera pour les gros. Windows, et du coup, je vais attaquer Windows. De toute façon, Ubuntu, il n'y a pas beaucoup de monde, ça sert à rien. En fait, non. Il n'y a pas de virus parce que les virus, ils n'ont rien à faire dans le système Linux. Le virus, il peut venir. Il peut venir dans le système. Le virus, il est là. Il va rester, être passif comme ça. Il ne pourra rien faire. Il peut venir. Le système de fichiers est différent.
c'est sécurisé et c'est maintenu par beaucoup de développeurs. Il y a beaucoup de monde qui parlent et qui travaillent là-dessus pour ne pas avoir de problème de virus. Et puis, est-ce que c'est aussi parce qu'il n'y a aucun intérêt à avoir des virus, parce que c'est grave? Non. Non, non, si il y a des gens qui font des virus, ils ont un but. Les virus, si vous voulez, c'est pas des trucs qui sortent tout seul. C'est des micro-logiciels. Des micro-logiciels que les gens comme moi, Zadou, ils font des logiciels comme ça et les envoient. Et sur le système, sur le système de Windows, les logiciels peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors que si vous prenez un truc, vous faites un truc, vous demandez le mot de passe. Parce que il y a l'utilisateur, vous, la personne, le super utilisateur, F-O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 -
un logiciel de Windows. Si on lit, il y a beaucoup de choses. Comme je donne un exemple, on achète un micro, on amène dans la maison, on met dans la cuisine. Et au bout d'une semaine, il ne marche pas. On amène chez le fournisseur, on dit y a la garantie, j'ai 6 mois de garantie. On te demande de tourner la feuille de garantie. Et il y a des conditions. Et je vous donne que ces conditions-là, il y a sûrement un truc que vous avez tapé. Voilà, ça ne fait pas partie de la bagarre. Vous pouvez me dire la licence. Et cette licence, c'est unique. On est une fois pour tous les systèmes de Linux, tous les logiciels libres. Bon, mais ça veut dire quoi? Ubuntu, c'est un mot dans un pays d'Afrique, je ne sais pas lequel pays c'est. Ça veut dire être humain. Être humain. Human being. Donc, human being. La voix libre. Human being. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hein? Non, 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 Les films, ils sont illégaux à télécharger. Mais on les a enregistrés. Et tu peux les sauvegarder. Je veux changer le sujet. Il y a la réponse aussi là-dedans. Si on a des gros fichiers à s'envoyer, ou quelqu'un nous a donné un fichier qu'il veut partager avec toi sur un ordinateur, il crée un fichier qui s'appelle Program. Il y a le point parce qu'il y a le nom du fichier, c'est le point, là c'est une extension, on appelle ça extension. Il y a toujours cette extension-là. MP3, c'est point MP3. Les images, il y a point JPEG, point PNG. Ça, c'est une extension. Et la sortie, c'est torrent. Et c'est le seul qui ouvre ce fichier. Sur Windows, il y a. Voilà. Il y a. Azerus, je pense. Ah, Azerus. Leur vie, il y a un peu bizarre. Et moi, je vous conseille de diffuser ça parce que c'est pour tout le monde, avec tous les versions, c'est tout le livre. Aussi avec Ubuntu, on peut l'installer, mais sur Ubuntu, il y a déjà un qui s'appelle Transmission. Si tu as un gros fichier à télécharger, je veux faire un détail comment créer ce fichier. Une fois que tu as ce fichier-là, tu l'ouvres avec transmission. Et après, il va te demander de l'emplacement où on va tout garder. Choisis le nom d'utilisateur et le document. Que ce soit dans un dossier. Et là, tout à l'heure, il s'enregistre. Alors moi je voulais poser la question, est-ce que je peux acheter un ordinateur sans système d'exploitation ouais.
Est-ce que je peux acheter un Apple, un MacBook, un Apple, sans avoir le système d'exploitation et comment je fais pour avoir une boîte vide et mettre une autosuffisance? Alors, c'est le système qui est capitaliste, un peu, je veux dire, moi, ah bon, je veux dire, qui nous impose d'acheter des ordinateurs avec des systèmes déjà installés. Avec Macintosh, on ne peut pas faire autrement parce que Apple, ils font leur matériel, le système. Des fois ils utilisent les cartes vidéo, tout ça, pour mettre dessus. Mais sinon, un Apple, je ne peux pas dire, je veux mon ordinateur dans ça, c'est l'exercice. Il y a forcément une marque que je veux dessus. Mais Windows, normalement, quand on achète un ordinateur, on n'achète pas Windows, on achète un ordinateur. Et l'ordinateur, malheureusement, quand on l'achète, il y a déjà Windows. Mais on ne se rend pas compte, on paye le prix de Windows. Dans le prix de Windows, on a le prix de l'antivirus qui est déjà payé. Il y a plein de logiciels qui sont là-dedans, qui sont apposés, qui vont aller comprendre les Microsoft. Il y a ces logiciels-là. Malheureusement, on a pas le droit d'acheter un ordinateur, de choisir notre système de nous-mêmes. Oui, ça peut être chez IBM aussi, C'est quoi ce truc? Pour un mec qui fait des infographies. On appuie là-dessus, il y a le menu qui sort. Et là, on attend sur le cas. Là, il y a une envolée. Là, il y a le sexe à l'échelle. Ici, on a l'option. Si on connaît le nom, je vous mets tout d'abord. C'est notre truc. Non. Logitech. Aujourd'hui, c'est Logitech. C'est Logitech. C'est un truc comme ça. Logitech Ubuntu. Il y a ça, vous allez voir. Comme vous voyez, Logitech est marqué. Logitech. On ouvre ça. Et c'est là ici que ça se passe, les installations du logiciel ou les suppressions. Là, on peut chercher si on connaît le nom. Non, déjà. Non, ça marche pas. Ça. À la place d'autre jeu, il y a GIMP. Si on cherche GIMP, vous voyez, il s'affiche en premier. Et après. Pardon? Non, parce que à ce moment, je voulais une version qui est pas stable. Ouais, faut qu'elle ait été mieux, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai, la version 12 de la carte, il n'est pas encore stable. Et moi, je fais partie des. Je ne veux pas dire partie des développeurs, mais je fais partie des gens qui testent et qui envoient, vous voyez, il y a marqué. Ça c'est très important aussi sur Windows, on n'a pas ça, c'est un autre truc à parler. Envoyer un rapport d'anomalie
pour aider à résoudre ce problème. Ouais, mais ça existe sur Windows. Ouais, ici. Il y a eu une. Il résout jamais le problème. Mais si, il envoie la CIA direct. Il ne te demande pas, il envoie. Et Windows, il a tout accès à Microsoft. Microsoft, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Microsoft a accès à tous les fichiers, tous les trucs sur ton ordinateur. On ne se rend pas compte si l'ordinateur est lié à la planète. Moi, j'ai signé aujourd'hui, je ne suis pas seul, une pétition comme quoi Facebook et Google étaient d'accord de balancer à la CIA, tu peux faire formation. Et ce voilà, je suis pas bien, mais attends, disons. Et moi, je te pose la question, comment entre Ubuntu ou Windows, on est pas sur les mots, quoi. Vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Sur le... Je ne fais pas, d'accord, c'est mon cher. Non. C'est un Linux, il est sécurisé. Il est développé par des gens comme moi et toi. Ils n'ont pas des buts. Et il y a beaucoup de monde qui participe. Donc, justement, il y a beaucoup de personnes dans le monde. Et si quelqu'un fait une erreur, les autres ils voient. Il est ouvert. Tous les fichiers de A à Z, même dans la programmation, il est tout ouvert. On le voit tout. Si tu fais une recherche de base de Linux, tu as accès au code de source. Comment ça a été fait? T'as accès. Et on peut pas tricher là-dessus. On peut pas tricher là-dessus. Du coup, c'est oublié. On peut... Ça se voit. Ça se voit. Je le crois avec toi, moi. Je reviens à la Logitech pour installer des logiciels. On a qu'à chercher le nom. Ici. Si on connaît pas le nom de logiciel, on a qu'à chercher. On a qu'à chercher vectoriel. Après, si on fait des images vectorielles. C'est le logiciel. On a cherché juste vecto, pas vectoriel. On a plusieurs logiciels qui ne sont pas proposés. Bien sûr que, comme je connais, le meilleur c'est Inkscape. Le meilleur c'est Inkscape. Ça c'est le logiciel. Mais pour supprimer, les logiciels installés sont là. Tout favori. Donc dans la j'ai tout ça. Je peux bien les supprimer en le sélectionnant. Et quand tu peux. Voilà. Il y a d'autres questions. Il n'y a pas une histoire de supermarché de licence. C'est ça, c'est le Logitech. Merci beaucoup, j'arrête là. Merci.